Salut les amis, on se retrouve pour une petite sortie d'IK en toute tranquillité, hein. Ça est vraiment sortie EF. Du coup, je retrouve mon copain Adrien. On va faire un peu les touristes sur les quais là, ça va être sympa. Allez, moi j'ai fait ma séance de renforcement des jambes ce matin, donc ça c'est cool. Et je devais faire une séance de fractionné, mais j'ai pas trouvé la foi. Allez, ça vous dit de me suivre? Ça se passe devant. Bye bye. Petit challenge, c'est de retrouver mon pote ici. Je sais pas où il est, il y a du monde. Allez, on voit la partie. Salut les amis. On y va tranquille, on a dit. Hein. Cette fois-ci, il fait beau, le soleil est présent. Voilà, ça va être sympa. Les bateaux mouches. C'est qu'on peut faire ces vocalises matinales. Oh ouais. La, 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 la. Très sympathique. La 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 la. Doré, mi, fa, sol, la, si, do. Très jolie voix, oui. Oh, la belle guinguette à côté. Avec un bon petit four à pizza, là, ça va être sympa, ça, pour cet été. On est pas mal, là. Une petite marche de bon matin. Voilà, le petit pont... Comment il s'appelle, ce pont? De mon midi, plutôt. Voilà, voilà. Le pont d'Avignon. Il fait bon, il fait bon. Alors, je parle, mais on se trompe de chemin. Il faut rester en haut, sinon, si on descend, là, sur les quais, on se tape les pavés. Ça va. Go. On est bon. Hop. Oh, les amis, je suis dégoûté. Je viens de découvrir que j'avais pas relancé ma montre. J'aurais pas ma trace à Strava. Ça arrive même au meilleur, hein. Allez, on continue. Bye bye. Adrien, comment ça va? Comment ça, tu le sens là? Vous savez, il est dur, hein. C'est dur de le suivre. On l'appelle le renard. Il trace dans les fourrés. C'est très dur de le suivre pour un petit lièvre que je suis seulement, encore petit. Ah, mais il progresse bien, hein. Déjà, il ose venir. Oui. Il a pas peur. C'est déjà ça. C'est vrai ça. Qu'avant, j'inventais toutes sortes d'excuses. Comme j'ai ma licorne à brosser ou je dois aller nager dans la Seine. Exactement. Ça va ton rythme cardiaque là? Oh, il est à peu près à 272. Non, 156. 156, c'est qu'on est bon, regardez. Et moi je dis pas parce que sinon... Allez, 138. Bye bye. Petite info parcours, on est donc allé jusqu'au bout de l'île. C'est quoi comme île? Notre-Dame, tout ça, hein. Le nom. Saint-Louis. Ah, Saint-Louis. Oui, l'île Saint-Louis. On a fait demi-tour tranquillement, voilà. On continue sur les quais. Eh, on est content, il fait beau quand même. Hein. Un bon petit rayon de soleil comme ça, ça fait plaisir. Faire une sieste. L'autre glandu là derrière, il veut faire une sieste. Comme dirait Riri, va courir maintenant. Voilà. Faut en profiter tant qu'on a des jambes. Communication AFP en direct, ça vient de tomber là, c'est du direct live. Non, ce n'est pas un glandu, démenti. Je réitère, c'est un démenti. Erratum, annule et remplace. Annule et remplace. Il est l'urgent. Excellent. Il merci, est excellent. Point glandu. Point de glandu ici. On rigole, on rigole. Eh, il y a quand même des beaux endroits à Paris. Eh, c'est le Louvre. C'est beau le Louvre en fait. Il y a de quoi manger des crêpes, une Nutella. Et il me fait la visite touristique en fait. C'est lui le guide. Il me propose une crêpe Nutella. Mec, on fait la course avec le bateau là. Tu crois qu'on le défonce? Ouais, par devant, moi j'arrive. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi je m'accroche. On fait un relais. On fait un relais, moi je pars devant, lui il s'accroche derrière. Moi je prendrai le quatrième. Allez, allez mon coco, on ne flanche pas. On est sur les... Je suis en flanchade là. Sur les 3 derniers kilomètres. Je suis en flanchade. Sur un 10 km, ça veut dire qu'on est à peu près à l'arrivée, hein, évidemment. C'est pour te donner du baume au cœur, mais on y croit. Allez, hein, tu vas y arriver. T'es un gagnant ou t'es pas un gagnant? Je suis un glandu, CF, là, le rush d'avant. Il est susceptible, il est rancunier, le gars. Non, non, c'est un fort, c'est un fort. Allez, ça se passe devant. C'est dur, la course, les amis. Oui, 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 on l'encourage, allez. On l'encourage. Allez, voilà. Allez, allez. Ah, là. Ouais, la bonne gaieté des quais, ça fait plaisir, ça. C'est sympa. Courage, mon gars. Si. Allez, on est prêt pour faire une petite côte. Histoire de bien tuer le cardio, là. Allez, allez, allez. Bon, bah, du coup, comme il y a Franprix qui décharge ses containers sur les quais, là. Ils ont fermé l'accès en bas, on est obligé de passer en haut, au niveau du quai Branly. C'est sympa? Aussi. Comme tout bon sportif. Je suis à 6-0-1, je veux être à 6, donc il faut accélérer un peu le dernier. Ouais. Faut que tu m'aides. Riri, faut que tu m'aides. Il balance ses métriques, mais comme tout bon sportif, on essaie de faire un 10 tout pile. Tire-moi.
Et forcément, on est à 9. Donc, il veut pousser. Je veux pousser. On va faire un petit tour de la Tour Eiffel, hein. Ça va être sympa. Oh, il faut pas s'arrêter, Riri. Bon, après, il veut faire 10 km à un rythme donné avec sa montre. Mais ce qu'on lui dit pas, ce qu'il sait pas encore, c'est que Strava, lui, il compte pas comme ça. T'as toujours des chiffres différents sur Strava. C'est quoi ce bordel, Strava? Franchement, vous faites chier, les gars. Ah, il donne tout le coco. 40 mètres encore. On y arrive bientôt. Allez, 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 allez. La ligne d'arrivée arrive. Riri Marco qui remporte cette course. Oh. Oui. Oui, 5,59. Et 10 piles. C'est beau ça. Allez. Vous savez, moi je suis un petit joueur, vous avez l'habitude de grosses sorties. Voici une petite perf. Voilà, il est fier de lui et moi je suis fier de l'avoir sorti. Oh, ça fait plaisir les journées comme ça. Bon, ça vous a plu? N'hésitez pas à vous abonner, il y a du contenu qui va suivre, vous le savez. Bye bye! Salut!